Tchalako le King, qui me pousse à donner ses numéros, hein, avant même de l'avoir reçu. Et c'est peut-être la magie de la présence de Bamba Missara également. Bonjour. Bonjour Tata. Voilà. Alors, mais voilà, c'est pour le Mythic Club. Franchement, ce bleu-là est différent des autres bleus qu'on a pu voir. Je ne sais pas si c'est du violet ou c'est du bleu, mais franchement, ça Ah. c'est Dubaï. Ah bon? Ouais, je connais. Ah. Tu ne joues pas le travail, maman. Ah. Ok. On vous écoute. Ok, je suis là sur ce plateau comme tous les jeudis pour parler du Mythic Club, cette célèbre discothèque qui est située du côté de la rue Princesse, c'est à Yopougon. Quand on me voit, c'est pour parler d'un événement. Et cette fois, on a une très belle affiche du côté du Mythic Club. C'est une voix féminine, suave. Elle est belle, sulfureuse. Bamba Ami Sarah sera en prestation semi-live du côté du Mythic Club. Je vais te dire un truc, maman. Maman, Bamba Ami Sarah, depuis elle a sorti son dernier opus et jusqu'au tout dernier, et depuis elle a sorti le premier jusqu'au tout dernier, on a remarqué qu'elle se bonifie. Elle se bonifie tant sur son thème vocal, c'est-à-dire la voix. Elle se bonifie dans sa tenue vestimentaire. Elle se bonifie tant sur sa prestation scénique et puis l'interactivité, parce qu'elle communique beaucoup avec le public. Donc ce soir, ça va exploser du côté du Mythic Club. Bamba Ami Sarah, c'est jamais un produit au Mythic Club. Ce qui va se passer ce soir, ce sera un événement exceptionnel, extraordinaire, à ne rater sous aucun prétexte. Elle viendra avec ses danseurs pour nous montrer une chorégraphie jamais vue ailleurs. Bamba Ami Sarah, c'est une bombe. Franchement, il faut venir voir Bamba Ami Sarah parce que elle déménage et elle est bourrée d'énergie. Bamba Ami Sarah, c'est vraiment une artiste Bamba Ami au Sarah, complet. vous allez le prendre comme chargé de communication, hein? Il est déjà embauché là. Alors, est-ce utile de vous demander de confirmer votre présence après tout Bon, ce qui a je, été dit? voilà, je crois qu'il a pratiquement tout dit, mais tout ce que je peux ajouter, c'est de dire à tous mes fans, tu es un enfant béni, tu es un doigté, c'est le moment de venir vraiment prendre les bénédictions du Dieu Tout-Puissant avec Bamba Ami Sarah. Donc, rendez-vous ce soir. À ne pas rater. Je vous attends avec impatience. À tout à l'heure. Très Voilà, bien. donc elle vous attend ce soir à partir de 22h. Et bien tous les dimanches, du côté du Mythic Club, on a une grande soirée dénommée la Rumba Live. C'est de la vraie rumba qu'on écoute tous les dimanches du côté du Mythic Club avec le groupe Motema Pembe piloté par Douglas l'ingénieur. Il faut venir voir, l'heure, c'est 18h30, à ne rater sous aucun prétexte. Bonne ambiance. J'invite tous les rumbaphiles ce dimanche à partir de 22h. Et bien tous les mardis, soirée ladies. Mardi dernier, franchement, ceux qui sont arrivés, ils ont vu, c'était la tenue à Zonto qui est à l'honneur. Et il y a une charmante demoiselle qui a gagné le prix. Franchement, c'était super. Donc rendez-vous est donc pris pour le mardi prochain sur le coup de 22h. Toutes les femmes, vous êtes invitées, vous êtes à l'honneur les mardis du côté du Mythic Club. Et il faut dire que le vendredi, samedi, week-end folie du côté du Mythic avec les DJ des Rénons. Franchement, l'ambiance est époustouflante. Il y a une très bonne ambiance du côté du Mythic Club, rue Princesse, tous les week-ends. Et puis, il y a le resto aussi. Vous pouvez bien manger du poulet sauté, du quiche de lapin, vraiment tout ce qui est bon. Piloté par Maître Adébayor, accompagné du bon vin au fromage, il faut venir au resto du Mythique parce que c'est le plaisir de bien manger aussi du côté du Mythique Club. D'accord. Voilà, donc rendez-vous, Bamba Ami Sarah ce soir. Je vais donner rapidement les contacts. Allez-y. Vous pouvez taper le 48 09 02 17 Arnaud Manager, le 07 31 94 51 Bacchus Lulu Super Manager, et puis le 07 73 55 63, 07 73 55 63, le numéro du bonheur, Mythique Club, toujours une longueur d'avance. Désormais, Tata, c'est le Mythic Club international parce que nous avons des représentants désormais du côté de Birmingham et du Newcastle, c'est du côté de l'Angleterre et en France, dans la région parisienne et en Bretagne, c'est en France et dans la Haute-Normandie. Voilà, pour tous ceux qui connaissent la France, ils savent de quoi je parle. Mythic Club, rendez-vous ce soir Merci à avec vous. Bamba Ami Sarah, ça va cartonner. Thank you. Merci à vous. Charlie, bonjour à vous. Bonjour. Jean-Jacques Domoreau, bonjour Bonjour, également. bonjour. C'est la soirée prestige au Mix Night Club. Exactement, Mix Night Club. Bon, là, on ne mange pas de chez nous, mais bon. Voilà. Bon, bien avant de parler de la soirée du Mystery Club, je tiens à vous remercier d'abord pour le micro. Ça fait un moment que je ne suis pas là. Bon, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, moi, Charlie, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je suis là aujourd'hui, c'est ma mission pour parler du Mix Night Club aujourd'hui. Il y a quelque chose de grand ce soir au Mix Night Club. Et avant de parler,
parler de cet événement, j'aimerais signaler comme ça que le Mix Nightclub est situé à la rue du Docteur Blanchard, en zone 4. Ne vous trompez pas, c'est la rue du Docteur Blanchard, en zone 4. D'accord. C'est bon. Je pense que j'ai assez dit que c'est une boîte de nuit fréquentée par des personnes VIP. Mm-hmm. Bon, sauf vous qui n'êtes pas l'habitude, qui n'êtes pas l'habitude de venir, toujours vous ne venez pas. Mais on espère que vous serez là un jour. On espère que vous serez là un jour. Mm-hmm. Une boîte de nuit aussi fréquentée par des personnes, comme je dis, des stars du football, ou bien je dirais du sport, ou aussi de la musique. Et je dirais aussi, c'est une boîte de nuit qui organise des événements que vous n'avez pas l'habitude de voir ailleurs. Mmh. Et aujourd'hui, à la grande soirée Prestige, il ne va pas se démarquer de la coutume, puisque vous avez un très grand événement qui est l'anniversaire de l'un des membres du groupe, le meilleur groupe Zouglou en Côte d'Ivoire aujourd'hui, possédant au minimum 13 disques d'or. Je veux parler du groupe Magic System. Et c'est l'anniversaire de Manaja Magic System. Bon. Ça fait 2 semaines que nous essayons d'organiser cet anniversaire. Tout à l'heure, je suis passé au mix avant de venir ici à la RTI. J'ai essayé de voir un peu les répétitions, j'ai vu le décor. Je me suis dit, je cherchais un peu à imaginer un peu la couleur de la soirée, mais cette couleur n'a pas encore été trouvée. Mm-hmm. Donc, je demande à tous ceux qui ont du regret, mm-hmm. qui ne veulent pas regretter leur absence à cet événement, de venir ce soir au Mix Nightclub. C'était comme si une boîte de nuit en France organisait l'anniversaire de l'un des membres du groupe Section d'Assaut, ou bien une boîte de nuit au Nigeria organise l'anniversaire de l'un des membres du groupe Peace Square. Donc en Côte d'Ivoire, vous savez, on innove toujours, on crée toujours quelque chose de bon et toujours quelque chose de grand, surtout le Mix Nightclub. Donc ce soir, ce qui va se passer, Dieu sait, ne ratez pas ça. Et il a demandé spécialement un artiste qui est juste à côté de moi, que vous connaissez, Jean-Jacques Domoro, qui a fait le décalé sicilien il y a quelques années, c'est là, qui a cartonné à Abidjan. Et aujourd'hui, nous revient avec le Makolo, la danse des pieds, qui est là, qui va nous dire plus. On va l'écouter. Alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à féliciter toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu. Et puis, vous dire merci aussi pour tout ce que vous faites pour les artistes à la RTI. Ce soir, c'est un événement spécial. Vous aurez encore l'opportunité de découvrir le Makolo, le concept qui est en train de grandir au fur et à mesure. Moi, c'est Jean-Jacques Domoro, JJD, comme vous le savez. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu. Alors ce soir, venez tous et toutes au Mix, direction chez Charlie et Manaja. Nous allons festoyer ensemble et danser le Makolo. Merci concept. Bien. Voilà. Vous avez dit que c'était à la rue Docteur Blanchard. À la rue Docteur Blanchard, en zone 4. Et bon, je tiens à rappeler comme ça qu'il a demandé juste Jean-Jacques Domo parce qu'il a vraiment apprécié sa chorégraphie. Une très, très grande chorégraphie. Vous allez voir que c'est vraiment une belle scène. Ne ratez pas ça. Et à part lui, vous aurez encore le soutien de certains Zougouman, je dirais, qui viendront soutenir Manaja Magic System et d'autres DJ aussi pour gagner encore la fête. Et pour tout contact, vous avez le 65 16 03 03, le concepteur même de la soirée qu'on appelle Clemso la merveille. Je répète, 65 16 03 03. Vous avez le 47 37 66 87 Eve. C'était le Mix Night Club. On attend aujourd'hui. J'espère que tu seras là. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Ibé le fonctionnaire. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est une soirée avec votre artiste que vous allez nous présenter. Et la soirée s'appelle Fais-toi respecter. Oui, Fais-toi respecter. Franchement, ça passe, ça dit. Voilà quoi. Donc, on est là pour dire à toute la population ivoirienne que ce soir, aujourd'hui, aux abrés complexes, c'est le off. Quand on parle de off, on parle de ce qui va se passer. C'est invraisemblable. C'est quelque chose de surnaturel. Et surtout avec la personne, la bénédiction entière. Voilà. Quand on parle de abrés, désormais, c'est le nouveau, comment on appelle ça? C'est-à-dire le nouveau repère à Abidjan. Parce que ce monsieur qui est à côté de moi, c'est monsieur Eric Dollard, le vieux de la vieille. Voilà, lui, c'est une icône de la nuit, une icône du coupé décalé. Et surtout, cette image emblématique du showbiz ivoirien. Et aujourd'hui, il a décidé d'ouvrir un cadre très, 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 très chatoyant pour recevoir ses amis, recevoir les personnes qu'il soutient à chaque fois qu'il met sur pied un événement. Raison pour laquelle, aujourd'hui, comme vous le savez bien, c'est jeudi. Et tous les jeudis, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver ici en famille, parce que nous vous disons que ce soir, on fera l'effort de faire respecter chacun, parce que vous êtes des personnes qui nous soutiennent, donc c'est normal qu'on fasse vraiment tapis rouge pour toutes ces personnes-là. Donc ce soir, on a décidé comme ça de vous donner de la bénédiction avec Bamba Misara, qui est juste là, et en plus de cela, vous avez encore... Alors si j'ai bien compris... C'est lui, Eric Dollard, qui ouvre le Zabré. Voilà, le complexe Zabré, à chaque fois dont on parle, c'est Eric Dollard. D'accord, attendez. Le numéro 1. Attendez, dites-moi, le Zabré Night Club, quelle est sa capacité d'accueil?
Est-ce qu'on y mange également? C'était un complexe, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, les abris, c'est un complexe, c'est du tout en un. Mm-hmm. Voilà, il y a des chambres d'hôtel, il y a un restaurant, et surtout la particularité, c'est son établissement nightclub. Il y a une capacité de 150 places assises. On appelle ça communément le petit poteau, entre guillemets. Le petit poteau, ça veut dire, c'est pas, on se retrouve en famille, au fait. On est assis là, c'est entre fonctionnaires, entre personnalités de rang distingué. Et le sabré est situé à Angré 81-82. C'est pas du tout caché, nous faisons dos à une banque, là, c'est même pas du tout caché. Lorsque vous arrivez au terminus 81-82, le dos de la banque, le complexe est situé là. C'est vraiment lumière, son. D'accord. Impeccable. Maintenant, Bamba Amisara et puis Jean-Jacques Demoreau aujourd'hui, sont les personnes ce soir qui vont se faire respecter comme d'habitude. Vous savez bien, quand tu as une bénédiction, quand tu es Douaoudé, qui peut t'arrêter sur ton chemin? D'accord. Personne. On leur pose la question, allez-y. D'accord, ok. Ben, on va dire que ce soir, c'est hyper chargé. On fera l'effort vraiment de satisfaire tout le monde. Je répète, tu es un enfant béni, tu es un Douaoudé, c'est le moment de venir te faire respecter. Voilà. C'est clair. Bah, moi, je serai là toujours pour soutenir, hein, comme je soutiens toujours mon frère Eric Dola. Donc ce soir, je suis pas artistique, je viendrai soutenir les Douaoudé. Forcément, toujours aussi avec un apport qui est le Makolo, évidemment, parce qu'il faut bien danser le Makolo pour être béni. D'accord. Voilà. C'est très bien dit. C'est génial. Très bien. Et vous, Eric Dola, donc c'est vous qui. Le propriétaire de tout ça. Et comme je l'ai dit, déjà, merci à vous pour tout ce que vous faites pour la jeunesse ivoirienne. J'ai dit merci à la première chaîne. Nous, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver ici. J'ai toujours dit à mes frères que j'ai aidé. J'ai dit, il y a un temps pour travailler pour toi-même. Il y a un temps où on travaille pour toi. Et il y a un temps où tu es couché à la maison, on vient te donner l'argent. Aujourd'hui, on a fini de travailler pour les gens. On a fait un sanctuaire cadre. Tout le monde est invité. Le seul bar où les serveurs ont un doctorat, où le service est tellement hygiène qu'on ne peut même pas vous parler. Il faut que vous veniez découvrir vous-même. D'accord. Il est très propre. Dans un cadre, c'est l'hygiène d'abord. Chez nous, c'est les toilettes. Vous rentrez, on ne vous dit pas, vous revenez. On a décidé comme ça de mettre Bamba Amisara à l'honneur. Comme c'est une étoile filante, la diva pour nous, la musique ivoirienne. Donc comme ça, on a décidé de la mettre à l'honneur. D'accord. Puisqu'elle nous soutient. Et puis encore, en plus, elle est du cœur avec nous. Très bien. Voilà. Alors, Yves le fonctionnaire, un autre... Oui, lui, c'est le président, son excellence, Alaska. Vous voyez, il y a toute la gang qui a été créée. Il y aura Gang Mori Gang désormais, c'est Alaska Gang. Lui, c'est un artiste émergent. Voilà, d'accord. Donc, comme vous savez bien, nous sommes une maison émergente, raison pour laquelle encore il fera partie de la fête ce soir. Voilà. Donc, le Zabré, c'est le nouveau nom à retenir, puisque déjà, quand on voit Rick Dollar, c'est déjà une marque déposée. Raison pour laquelle ce soir, Bamba Amisara, JJD et Rick Dollar, Alaska Gang, il y aura plein d'artistes pour vous ce soir. Fais-toi respecter. Et nous sommes situés, le Zabré compris, c'est situé à Angré au terminus 81-82, c'est pas caché. Voilà, c'est tout bien fait, bien compris, bien circonscrit. Donc ce soir, le rendez-vous, il est pris pour 22h au complexe Zabré. Donc, chers amis, pour tout contact, il suffit simplement de faire ce numéro, le 01 12 12 43 avec dollars, le 08 84 29 00 116 manager et surtout le numéro du bonhomme. 113 manager. Oui, 113 manager. Et surtout le 07 26 08 30, le numéro le plus composé après les urgences, bien sûr. Oui. Merci à vous. Merci. Merci. Je vous en prie. Dona Denis, bonjour à vous. Bonjour, Mayem. C'est la soirée BCBG au Pink Club. Oui, c'est bien ça. Mm-hmm. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà. Depuis plusieurs années maintenant, elle détient le statut de meilleure soirée chaque jeudi en Abidjan. Et elle n'a pas perdu de son attrait, bien au contraire, ses concepteurs que sont Arthur Etano et Maxime MM améliorent son image afin de la rendre plus meilleure, n'est-ce pas, et afin de satisfaire leur aimable clientèle. Elle, c'est bien la soirée BCBG, bon chic, bon gens, au Pink Club. Voilà. Alors ce soir, à partir de 22h déjà, ce jeudi soir, à partir de 22h, Arthur Etano et Maxime MM donnent rendez-vous à tous les adeptes de la soirée BCBG, à toute la chaîne clientèle du Pink Club, à venir vivre une ambiance de fête, une ambiance de joie et de gaieté. Voilà. Mmh. Alors pour ce faire, nous avons, je vais dire, mis les petits moyens dans les grands pour donner quelque chose de phénoménal, de magique. Et
Aujourd'hui, en Abidjan, il ne passe pas inaperçu. C'est la Alasco Gang qui viendra démontrer ce soir à partir de 22h la danse de l'émergence. Comme vous le constatez, je suis sur ce plateau en compagnie du chef de l'État, voilà, Anne Griff Alasco, qui est juste à côté de moi. Il représente, je veux dire, il fait et il interprète le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, le président Henri Conan Bédier et plusieurs personnalités que vous connaissez. Donc, il sera présent ce soir avec toute son équipe au Pink Club à partir de 22h. D'accord. Voilà. Et les autres personnes? Et juste en face de moi, c'est, je veux dire, le célébrissime, la star interplanétaire, le chouchou de plus d'une personne aujourd'hui qui ne passe pas aperçu. Il s'agit bien de Ange Faro, qui viendra également démontrer les derniers pas de l'année 2014 à toutes les personnes qui effectueront le déplacement ce soir. Ange Faro, c'est le BCBG, parce qu'il remplit les conditions. Bon chic, bon Jean, qui est en face de moi avec les lunettes. D'accord. Et tout ça. Et à côté? Et juste à côté, c'est son cher manager, son producteur en même temps. Voilà. Très bien. Donc, Ange Faro sera là ce soir au Pink Club. Venez voir les vrais vêtements de Ange Faro. Venez voir les démonstrations phénoménales de Ange Faro et de la Alasco Gang qui est juste à côté de moi. Si vous le permettez, Mariam, il va interpréter une personnalité rapidement. Ce qu'on va faire, vous allez d'abord conclure. Voilà. Et puis, s'il nous reste quelques secondes, on va lui dire. Il n'y a pas de souci. Donc, nous invitons tous les adeptes de la soirée BCBG. Nous invitons toute la chaîne clientèle du Pink Club aujourd'hui soir à partir de 22h à la soirée BCBG. Il faut dire que le Pink Club est situé à Makouri, juste à côté de l'église Sainte-Thérèse dans le prolongement du quartier résidentiel. D'accord. Alors, on lui demande d'imiter le chef de l'État. Donc, y a toujours quelqu'un qui est là, avant que le chef de l'État ne parle. Voilà, bonjour. Monsieur le Président, vous avez la parole. Mais je suis très flatté, très content d'être là ce midi, devant une si belle dame comme Mariam Touré. Alors, toutes les personnes qui ne viendront pas ce soir, eh bien, ne seront pas émergentes, et puis auront aussi des dagouets. Voilà. Ange Faro, chez nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On parle plus trop. Le Président Bédier? Oui. Alassane, tu sais très bien que je suis très flatté, très heureux d'être là ce matin. Il n'y a pas de vin, certes, mais nous travaillons tous pour l'émergence. Très bien. Nous, nous sommes au terme de ce magazine. Rendez-vous donc au Pink Club de Marcoury. Si vous permettez, Marie. Voilà. Le contact de Arthur de Tano, le 77 40 66 50. 77 40 66 50. Et celui de Maxime MM, le 0105. 77 78 01 05 77 78. Très bien. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain, si peut-être adieu, dans le cadre de ce magazine, 11h30, sonnante et trébuchante. Et d'ici là, prenez soin de vous et d'ici au revoir.